Judith. C'est vrai, vous avez la clé. À l'instant, nous parlions de vous. En bien, j'espère. En bien, j'espère. On dit toujours ça quand quelqu'un dit on parlait de vous. En bien, voilà. Salut Sébastien. Tu dis toujours ce qu'on dit toujours. Pourquoi alors? Qu'est-ce que vous racontiez? Et comment c'était les vacances? De nouveau. Quoi? Elle a de nouveau dit ce qu'on dit toujours. Quelqu'un rentre de vacances et comment c'était les vacances? Bien, c'était bien les vacances. Maintenant toi aussi tu t'y mets bien. On dit toujours ça, comment c'était les vacances? Bien, c'était bien les vacances. Tu peux arrêter tes conneries. C'était pas bien? Si, salut Judith. Vous voulez vraiment le savoir? Alors on va y aller. Mais il est allé où là? Je sais pas, la douche, au lit, qu'est-ce que j'en sais? Ce n'est pas notre lit. Ça part à nous d'y dormir. Ah, apparemment. Je trouve Robert gênant. Vraiment gênant. Mais que fais-tu là? Je me distancie de notre enfant, je trouve Robert gênant. Avec qui parles-tu? J'ai pensé, il y a des mots ont été dits, je me suis excusé. Tu fais un monologue? Monologue, on ne peut pas vraiment appeler ça un monologue. Mais nous avons pourtant dit que nous ne faisons plus de monologue. Mais c'en était un tout court, tout petit. Nous ne parlons pas avec des tiers. Hein, imagine qu'ici, il y a un mur. Ici, c'est fermé. Bah, tu vas pas te retrouver seul dans une pièce et parler au mur, non? Non. Personne ne sait ce que tu es censé être. Elle est censée être quoi? Mais vous êtes tous des demeurés ou quoi? Un aveugle le verrait. Je suis un volcan. Ma tête explose. Je suis en éruption. Ici, jaillit partout du magma en fusion. Ici, se déversent des flots de lave liquide. De mon cratère s'échappe un énorme nuage de fumée. La terre tremble. Dans quelques jours, une pluie de cendres en couvrira tout. Et pendant des décennies, plus rien ne poussera ici. Là, je vois qu'un mur. Tu vois un mur, là? Toi pas? Oh non, Robert. Oh, je me sens toute bizarre quand t'es comme ça. Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un est là et nous regarde. Dans notre jardin? Oui. Mais maintenant, il y a une salle, là, et ils ont installé des fauteuils pour que ce soit plus confortable. Écoute. Là, il y a un mur. Mais bon, si tu veux, on peut faire comme s'il y a une fenêtre. Hein? On regarde dehors. Et si qui que ce soit traîne dans notre jardin et qui a mis une chaise pour regarder dans ta tête? Quoi?